Bienvenue dans cette deuxième partie concernant l'upload et le téléchargement d'un fichier. Ce qu'on va faire tout de suite, on va créer un nouveau fichier PHP qu'on va nommer liste fichier.php. On va répertorier tous les fichiers à télécharger. Pour notre cas, c'est notre background, c'est notre image. Donc, ce qu'on va faire, on va include notre connect.php pour établir la connexion à la base de données. On va exécuter une requête SQL, on va l'appeler result est égal MySQL query et on va select l'ID et le nom from fichier or die. Donc on sélectionne l'ID et le nom de notre fichier déjà uploadé. Donc pour notre cas, l'ID est égal à 1 et le nom c'est black wallpaper. De notre table, fichier. Donc après les avoir sectionnés, on va démarrer une boucle while row est égal à MySQL fetch asoc de notre requête SQL result. Donc on va parcourir notre base de données. Et ce qu'on va faire, on va tout simplement afficher notre lien de téléchargement. Donc dans un UL, on va créer une liste. Donc UL li, donc lien à href, on ferme le A. Ici, ce qu'on va faire, j'ouvre les balises PHP et on va echo row nom. Donc on a récupéré le nom et on va l'afficher dans le tableau row, puisqu'on a enregistré toutes les informations de notre requête SQL dans notre variable row. Donc si je me rends maintenant vers liste fichier.php, j'ai effectivement ici blackwallpaper.jpg. Pour le href, ce qu'on va faire, on va rediriger l'utilisateur vers une autre page qui se nomme téléchargement.php, qui n'existe pas encore, on va le créer tout de suite, et on va lui passer comme URL avec la méthode get l'ID de notre fichier, donc où l'ID est égal. Et tout simplement, avec PHP, on va echo row l'ID. Donc, dans un premier temps, notre requête SQL va récupérer l'ID et on va donc l'afficher dans l'URL grâce à la méthode get et on récupère le nom. On va l'afficher à l'utilisateur sous forme de liste dans la page listfichier.php. Donc, ce que je vais faire, je vais créer le fichier téléchargement.php, téléchargement.php, je vais le laisser vide pour l'instant. Ici j'actualise donc mon fichier porte l'ID 1, c'est-à-dire si je clique ici maintenant sur le lien, je suis redirigé vers téléchargement.php qui n'existe pas, il me dit objet à en trouver, mais on voit parfaitement ici l'ID est égal à 1. Donc je me rends vers téléchargement.php, téléchargement, ici j'ai oublié le R. Donc je saisis mes balises PHP. Je vais établir la connexion à la base donnée. On va include le connect.php. On va faire une requête SQL, on va l'appeler SQL est égal MySQL query et on va select le nom from la table fichier where l'ID est égal notre variable ID. Donc la variable ID on n'a pas encore initialisé, donc on va dire ici if isSet dollar underscore get de l'ID. Donc si c'est le cas, je vais déclarer ma variable est égal dollar underscore get de l'ID. On précise ici que c'est un int au cas où il y aurait un petit malin qui voudrait bidouiller notre URL. Ok, parfait. Donc ici on va s'assurer que l'ID qui se trouve dans la base donnée correspond avec l'ID, avec cette ID, celle-là.
avec un MySQL num rows. Donc rows est égal MySQL num rows de quoi? De notre requête SQL. Et on va dire ici if rows est égal à true, tout est OK, else on va écho ce fichier n'existe pas. Ok, parfait. Ici, on actualise. Donc, on a ici téléchargement. J'ai oublié le R. Donc, ici, on a une page blanche avec l'idée est égale à 1. Si je mets par exemple ici, l'idée est égale par exemple à 15. L'idée est égale à 15 n'existe pas dans ma base de données. Donc, on actualise. Et on a effectivement ici, ce fichier n'existe pas. Donc, dans la troisième partie, on va attaquer le code qui va nous permettre de télécharger ce fichier. Donc je vous remercie, on se voit dans la troisième partie.